Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous parler de mes livres. Il y en a un petit échantillon ici sur la table. Ça va déjà vous faire beaucoup de livres à découvrir ou à redécouvrir pour certains. Ça va se passer en plusieurs phases, je vous explique tout ça. Alors bonjour tout le monde, c'est Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipousse à Plévin en Centre-Bretagne. Comme toujours, donc je suis paysan arboriculteur et surtout pépiniériste fruitier, mais j'ai passé un petit peu par toutes les étapes avant d'en arriver là. Et justement, c'est un petit peu au travers de ces ouvrages que je vais vous raconter cette histoire-là, puisque bien, il y a eu tout ce que j'ai lu au tout début, il y a presque 10 ans maintenant, et puis ce que j'ai lu entre-temps, ce que j'ai gardé, ce que je n'ai pas gardé, ce que j'ai fait circuler, et puis ce qu'il me reste actuellement comme ouvrage de référence pour moi, pas forcément tous, mais en tout cas, le tri commence à se faire. Et je vais vous proposer, un petit peu comme j'ai fait pour la dernière vidéo, les dernières séries de vidéos sur les clés de design, je vais vous proposer de plusieurs vidéos où je vais vous présenter du coup le même sujet, les livres qui ont fait ce que je suis aujourd'hui en termes de pépiniériste, arboriculteur, fruitier, mais en faisant toutes les étapes, la découverte, les ouvrages un petit peu pour découvrir le sujet autour des fruitiers au sens large, et puis en se recentrant un petit peu sur les fruitiers. Donc ça sera la première vidéo, celle-ci. Et puis la seconde, ça sera pour rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Voilà, donc là on s'intéresse un peu plus à l'arboriculture fruitière en tant qu'amateur. Et puis après, la vidéo d'après, ça sera pour ceux qui veulent vraiment un peu plus pousser le sujet, donc les arboriculteurs fruitiers en devenir. Et puis, le sujet que là, je mettrai à part, puisque c'est réservé plutôt à la section privée. Donc, si vous rejoignez le programme, vous pourrez bien sûr regarder cette vidéo-là. Ça sera les ouvrages que je considère vraiment dédiés pépiniéristes. Voilà. Et entre les deux, y a des ouvrages qui ne se rangent dans pas tout à fait ces cases-là, donc ça sera un petit complément que je vais vous faire dans cette vidéo-ci également. Bien, mais avant tout ça, il faut que je trie, que je fasse des tas pour séparer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Alors c'est parti. Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive des livres qui sont intéressants pour vous, je veux juste vous montrer ce que moi j'ai, voilà, et qui m'a conduit à avoir monté aujourd'hui une pépinière, avoir des vergers et produire du fruit, produire des plants, et être capable de vous raconter un petit peu des choses sur ces variétés que je multiplie. Mais c'est également beaucoup d'ouvrages qui m'ont permis de découvrir tout ce qu'est la vie paysanne, parce que je ne suis pas du tout issu du milieu agricole à la base, donc j'ai grandi à la campagne, mais pas à la ferme. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu ouvert les yeux, et donc c'est ce que je commence par vous montrer. Le tout premier ouvrage, sans doute le tout premier ouvrage que j'ai lu, c'était le très connu Seul, la révolution d'un seul brin de paille, voilà, de Masanobu Fukuoka. Voilà. Bon, à partir de là, on a une petite introduction vers un autre monde. Hein, clairement, c'est ce qui clairement m'a fait découvrir ce que pouvait être l'agriculture, j'ai envie de dire, mais d'un point de vue un petit peu philosophique quand même, sur l'histoire de Masanobu et notamment tout ce qu'il nous raconte dedans. Donc c'est un ouvrage que moi je vous conseille vraiment en introduction pour un petit peu découvrir un peu ce que c'est ce monde. Alors, son avantage, c'est que, au travers d'un récit de vie, on découvre des choses sympas sur ce que peut être la culture agricole. Voilà. Donc, c'est sous-titré « Une introduction à l'agriculture sauvage ». Alors, attention, parce que ça peut être un ouvrage qui a piégé des gens dans l'idée du non-agir.
beaucoup l'idée du non-agir, qui est une très bonne idée en soi, je pense. Enfin, je n'ai pas de jugement à apporter à cela. Mais dans le non-agir, en fait, vous verrez, au fur et à mesure que vous avez des fruitiers, que c'est pas évident, en fait, à gérer. Enfin, à gérer, en tout cas, la volonté d'avoir des fruits et la volonté de non-agir. Vous verrez que souvent, pour avoir du fruit, il faut souvent agir, faire des choses sur ces fruitiers. Dans tous les cas, c'est un ouvrage que je vous recommande. Voilà, j'ai quand même un amour pour les arbres qui a toujours été plus ou moins là, même s'il était assez discret au début. Il y a un livre quand même que je suis en train de relire, qui est L'éloge de la plante de Francis Salley. Et globalement, tous les ouvrages de Francis Salley, en fait, sont intéressants. C'est un mélange de philosophie, de vie, et puis surtout de techniques, et quelquefois de techniques très très poussées sur la recherche sur les arbres. C'est assez impressionnant comme ouvrage, en fait. Mais voilà, Francis Salley a essayé de tourner cet ouvrage-là pour donner un petit peu plus de vie aux plantes, notamment les arbres. Et puis pour comprendre qu'en fait, ils sont très importants dans nos écosystèmes, ils sont même capitaux. Voilà. Donc ça, c'est un ouvrage très important d'un point de vue aussi de connaissance, parce que Francis Salley est un grand chercheur, hein, donc il connaît beaucoup de choses et il en raconte beaucoup, beaucoup. Je vous invite à regarder tout ce que vous pouvez trouver sur lui. Il a beaucoup de conférences en vidéo que vous pouvez écouter, visionner, etc. Ça, c'est un ouvrage que j'ai pas encore lu, que je viens juste d'acheter, donc on verra s'il est bien. Ernst Zuck Scher, c'est un des. Alors, c'est préfacé par Francis Salley, hein, quand même, justement. Les arbres entre visibles et invisibles. Donc, on verra ce que ça va donner. Bon, évidemment, ça m'attirait. Il y a des données techniques. Il y a plein de choses sympas. Je crois que c'est un des fondateurs de la biodynamie aussi. Bon, il y a des choses intéressantes à en tirer. Je viens de l'acheter. Donc, je vous en reparlerai peut-être prochainement. Donc, quand j'ai commencé à vouloir évidemment m'intéresser à tout ce qui était culture il y a une dizaine d'années, culture du vivant, culture paysanne notamment, et bien évidemment, je suis tombé dans la permaculture. Et donc, il y a un certain nombre de choses que je vais vous montrer qui m'ont beaucoup plu. Alors, évidemment, il y avait permaculture 1 et 2. Alors, bien et pas bien, disons que c'était très adapté sur le point de vue, par exemple, là où ça a été créé, hein, notamment en Australie. Et avec bon, les spécificités qu'il y a besoin d'y apporter ici. Il y a eu dans mon parcours un passage CCP, alors pas pour moi, c'est ma femme qui l'a fait, un cours certifié de permaculture, qui nous a permis vraiment de comprendre ce que c'était la permaculture. Et moi, je l'ai fait en parallèle, en gros, avec elle, hein, en suivant tous ses cours et en lisant beaucoup à côté. Et je me suis fait mon CCP, moi tout seul, donc je l'ai compris également d'une autre manière. Un des ouvrages que je vous recommande quand même par rapport à ça, parce qu'il est bien fait, qu'il est assez succinct et qu'il reprend toutes les bases, c'est Introduction à la permaculture de Bill Mollison, un des fondateurs, enfin des fondateurs, un des hommes qui ont créé le mot, parce qu'en fait on est sur des choses qui existent depuis très longtemps, mais juste on leur a mis un mot dessus. Bon, on les a un petit peu, voilà, mis sous ce mot-là. C'est préfacé par Claude et Lydia Bourguignon. Je n'ai plus leurs ouvrages parce que c'est un ouvrage qui me plaisait tellement que je me dis, enfin tous, hein, mais c'est un ouvrage qui, une fois lu, n'a pas grand intérêt d'être relu. C'était un livre sur la vie des sols de Claude et Lydia Bourguignon que je vous recommande chaudement. Et en fait, moi, je l'ai offert, je l'ai, voilà, pour qu'il circule. Donc, Claude et Lydia Bourguignon, j'essaierai de vous mettre une petite image là par là. Également un ouvrage que je vous recommande puisque c'était en fait un petit peu un lien. Tiens, on comprend la permaculture, on comprend les sols et tout ça, et puis j'ai besoin d'en apprendre plus, quoi. Donc ça, c'était au début, au tout 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 début. C'était à peu près mes premiers ouvrages, sauf le troisième que je viens d'acheter là, mais c'était mes tout premiers ouvrages qui m'ont, voilà, donné envie de continuer à tirer sur les ficelles pour voir un petit peu vers quoi j'allais. Après, j'ai commencé à chercher plein 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 de vieux ouvrages. Soit en PDF libre de droit, donc ça, il y en a beaucoup sur Internet en libre de droit. Donc tous les, par exemple, traités d'arboriculture fruitière ou de jardinage au naturel, enfin pas forcément naturel d'ailleurs, mais en tout cas du 18e ou du 19e siècle. Tout cela, je les ai lus et relus d'ailleurs, hein, il y en a pas mal. Donc je ne vais pas vous faire de liste parce que je ne m'en souviens plus de tous leurs noms, mais ils sont gratuits puisqu'ils sont disponibles, c'est des archives disponibles. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parcouru les vide-greniers et surtout les foires aux livres pour essayer de trouver, dénicher quelques autres pépites. Et donc, je vous en montre quelques-unes.
Vous connaissez sûrement, il a été réédité assez récemment maintenant, mais ce n'était pas le cas quand moi je l'avais. C'est, alors on ne voit pas le titre, Revivre à la campagne de John Seymour, si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai peut-être une... Ouais, c'est ça. Voilà. Revivre à la campagne. Je vous rappelle, mon projet initial, enfin moi et ma femme, on avait un projet initial, c'était de se créer une ferme, une micro-ferme autonome. Et donc du coup, ben, ce genre d'ouvrage était super précieux pour nous. C'est un ouvrage qui, en gros, présente de manière assez succincte, en rentrant quelquefois un petit peu dans les détails quand même, mais de manière assez large, et sur tous les sujets qui peuvent constituer la vie à la campagne pour être autonome. En grande partie en tout cas. Alors, il y a des choses qui sont antidatées, enfin qui sont plus de lieu d'être peut-être à notre époque, parce que c'est un peu décalé quand même. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, par exemple, voilà, il y a des grosses parties sur comment dire, les animaux et préparer la viande et des choses comme ça, donc c'est pas forcément quelque chose qui va vous intéresser, il y a toute une partie, voilà. Produits d'origine animale, mais il y a évidemment tout ce qui est légumes, mais il y a aussi beaucoup sur les artisanats, sur les énergies, sur les choses comme ça. Il y a pas mal de choses intéressantes en vrai. Et quand on veut faire une micro-ferme autonome, ça nous donne un petit peu un grand panel de tout ce qu'on a besoin un petit peu d'apprendre, quoi, quelque part. Et mais après, voilà, pour chaque sujet, il faut aller creuser parce que là, ça, en 2-3 pages, en fait, seulement, on va nous parler de vannerie, par exemple. Ici, la vannerie. La vannerie qui sur 2-3 pages, évidemment, on n'apprend pas à faire des dizaines d'ouvrages de vannerie juste en apprenant sur 2-3 pages. Mais par contre, ça nous introduit le sujet, ça nous donne des bases, ça nous montre un petit peu les outils qu'il y a besoin, quelques techniques pour si on a envie de commencer à essayer. Et puis après, évidemment, il faut partir sur des ouvrages dédiés. Et donc, évidemment, il y a aussi, et c'est surtout pour ça que moi, je vous en parle là aujourd'hui, c'est parce qu'évidemment, il y a des parties sur les fruitiers. Des herbes fruitières, alors il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 7-8 pages, quoi, et puis la transformation des fruits, mais voilà, c'est une introduction, 177, voilà, on nous parle d'herbes fruitières, on nous parle de cerises, de citronniers, de figues, d'olives, de pêches, d'abricots, de pommes, évidemment, de prunes, de poires, etc. Et après, comment les soigner, comment les planter, comment les palisser un petit peu, comment les greffer, alors c'est très succinct, mais ça permet d'introduire les sujets. Comment les stocker ? Avec les légumes, comment mettre en conserve, vous voyez que voilà, c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant, il est plaisant à lire en tout cas. Je vous le recommande également. J'étais tombé sur un autre livre qui est à peu de choses près équivalent en fait. Hein. L'art de vivre au temps jadis, il est vraiment équivalent à celui-là, avec un autre style d'écriture, un peu plus de couleurs, mais globalement, c'est vraiment, vraiment le même genre d'ouvrage. On est sur tout à fait la même philosophie d'écriture. Donc, l'art de vivre autant jadis, voilà, un ouvrage qui est sympa également. Alors, quand on les regarde de loin, ces ouvrages, on se dit que, ouais, c'est un petit peu des petits ouvrages faits pour être vendus, pour donner envie, mais pas vraiment, comment dire, pertinents. En fait, si, ceux-là, clairement, ces deux-là le sont. Il n'y a pas le contenu nécessaire pour apprendre chaque spécificité de ce qui est montré dedans. Mais en revanche, il y a vraiment des bonnes introductions. Ça donne effectivement envie, puis on sent rapidement qu'il y a besoin d'apprendre tout ce qu'il y a derrière. Je suis tombé récemment sur celui-là, que j'ai en partie lu, qui est... Alors, c'est un peu différent pour le coup celui-là, c'est vraiment spécial, c'est La vie rurale, c'est en fait un livre de classe d'époque, en fait, quelle époque ? C'était 1947, programme de 1947 des sciences appliquées et travaux pratiques de la vie rurale. Bon, il y a des choses je trouve intéressantes dedans, parce que déjà de se rendre compte de ce qui était appris aux enfants à cette époque-là, parce que c'était vraiment pour l'école, il y a vraiment énormément de choses qui ont complètement été oubliés après, mais bon, il y a des principes, voilà, il y a des choses très basiques sur l'univers, le fonctionnement, mais aussi sur comment se soigner, comment prendre soin de sa santé, comment faire des travaux. La vie rurale, c'est vraiment le manuel pratique du paysan, du jeune paysan, qui n'a pas le temps peut-être d'aller faire 15 années d'études et devenir ingénieur, mais il va avoir tout ce qu'il faut pour réparer ses machines, fabriquer sa maison, etc., etc.
Et voilà, c'était. Je suis tombé dessus, c'est assez intéressant de voir les ouvrages d'époque, ce que ça pouvait, on voit pas bien, mais la vie rurale. Et je ne peux pas évidemment passer à côté de ces ouvrages-là. Alors ça, c'est des rééditions, des réimpressions à la demande de PDF libres. C'est les ouvrages de la maison rustique du 19e siècle. Alors là, j'en ai fait que trois parce que les deux autres m'intéressent beaucoup moins. Donc là, notamment, c'est celui qui est dédié justement à tout ce qui est jardinage, arboriculture et tout comme ça. C'est le tome, que je dis, le volume 5. Donc si vous en avez un à choisir autour des fruitiers, c'est le volume 5, clairement. C'est vraiment lui qui va vous parler le plus de tout ce qui est pépinière, jardin fruitier, transformation et tout ça. Maison rustique du 19e siècle, il est même sous-titré horticulture. Donc vous voyez que c'est vraiment celui qui va être le plus adapté. Et puis les deux autres volumes que j'ai moi, c'est moins utile sur le plan fruitier en tout cas, puisque on est sur autre chose. Alors on est sur là notamment, on est sur tout ce qui est transformation. Par exemple, je vous lis le sous-titre qui est très long. Blablabla, contenant les meilleures méthodes de culture usitées en France et à l'étranger, tous les procédés pratiques propres à guider le cultivateur, le fermier, le régisseur et le propriétaire dans l'exploitation d'un domaine rural. Donc c'est les arts agricoles. Donc ça rejoint évidemment ce qu'on a vu avant, mais avec beaucoup plus de détails, parce que là, on a un ouvrage qui rentre vraiment beaucoup plus dans le détail. Par exemple, nous détaille comment fabriquer des eaux de vie, donc avec les machines qui vont bien et tout ce qu'il faut faire pour chaque procédé, partie du procédé. Bon. Transformation. Alors, j'ai d'autres ouvrages hein, sur la fabrication des eaux de vie ou des choses comme ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le dernier, qui a été mal imprimé, malheureusement, se focalise beaucoup plus sur comment dire, les animaux. Donc, enfin, pas que les animaux, mais les plantes et transformation des plantes, donc, par exemple pour filer, pour faire du tissage, des choses comme ça, et puis sur les animaux. Voilà. Enfin, et ça sera normalement le dernier ouvrage qui est un peu global, un peu général et que j'aime beaucoup. Alors, c'est à l'américaine, vous le connaissez peut-être, c'est Ben Folk, c'est un permaculteur américain. Mais, alors je dis mais, pourquoi mais, je sais pas. Il n'y a rien de négatif justement dans ce que je dis. Il a créé une ferme de 4 hectares dans un climat tempéré froid. Et donc plus froid que chez nous. Et donc du coup, ben, moi je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce qu'il arrive à faire dans un climat plus froid que le nôtre. Alors moi je dis le nôtre en Bretagne, hein, attention, hein. Ça peut être identique à certaines régions de France notamment. Ça reprend beaucoup beaucoup de choses d'un peu des autres ouvrages, mais avec un petit peu une mise à jour récente et en introduisant beaucoup la permaculture là-dedans. Donc des concepts de design, enfin des concepts de design. Ouais, des clés de design en tout cas, des principes qui ont été mis en application qui fonctionnent bien. En fait, on est vraiment dans l'application pratico-pratique de la théorie du blabla permaculture. Là, il a vraiment mis en œuvre tout ça pour montrer que c'est pas juste du blabla, quoi. Donc, il a écrit tout ça et c'est vraiment très intéressant. Alors, il y a une vision un peu à l'américaine sur certains points. C'est néanmoins quelque chose d'hyper efficace. Ce qui m'a intéressé, notamment dans cet ouvrage-là, c'est une micro-ferme pour être autonome, c'est bien. Une micro-ferme qui nous permet de générer du revenu, c'est également pas mal du tout, surtout quand on ne peut pas tout produire soi-même. Donc on a besoin d'acheter aussi des choses. Eh bien, ou de payer des gens à faire des choses. Eh bien, voilà, les Américains. En tout cas, dans la permaculture, les Américains sont beaucoup moins. Faire de l'argent, c'est pas un sujet tabou pour les Américains. Alors que dans la permaculture à la française, faire des sous sur la permaculture, c'est hyper tabou, c'est hyper mal vu. Enfin bon, ça c'est à la française, quoi. Donc avec tout ça, évidemment, je rentrais dans le sujet des fruitiers, parce que j'avais quand même pas mal de notions de base pour me lancer. Alors. Je continue de vous montrer les ouvrages un peu pour les arboriculteurs amateurs que vous serez. Mais évidemment, tous ces ouvrages et tout ce que je viens de vous montrer, eh bien, sont valables également pour tous ceux qui vont se lancer en arboriculture plus tard ou maintenant, et puis même ceux qui vont se lancer en pépinière. Tous ces ouvrages-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, moi, sont des ouvrages qui me plaisent et que j'aime relire de temps en temps pour me refaire un petit peu, voilà, reprendre un petit peu les infos que j'avais zappées. Toujours donc dans le thème un peu permaculture, guide pratique pour jardin et production agricole diversifiée. Là, on est sur une agriculture d'efficacité. On cherche l'efficacité. On est en Autriche, on est chez Seppholzer.
D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, je vous avais déjà raconté que j'avais un surnom donné par un ami. C'était Seb Holzer. Bon, bref, c'était rigolo. Parce que moi, je me suis pas mal inspiré de ce que Seb a fait et explique aussi pour faire certaines choses chez moi, notamment mes baissières, notamment façonner un peu, faire un peu de façonnage de terrain. Alors, pas du tout aussi poussé que lui le fait. Lui, il est sur de la montagne, en Autriche, dans le Kramenterhof, ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais bon, peu importe. Vous pouvez trouver quelques vidéos de lui, évidemment. Très intéressant, c'est Polzer, c'est une façon d'être pragmatique dans les cultures et puis de développer des écosystèmes comme ça, très poussés et de manière assez autonome. Alors lui, il est du coup sur le... Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un mélange d'extrême agir, c'est-à-dire qu'il est capable de défoncer sa montagne à coups de pelleteuse et de bulldozer. Mais ensuite, après, il balance une quantité de graines, un mélange un peu tenu secret par lui. Et en fait, bah, quelques années après, ça devient une forêt, et notamment avec beaucoup de fruitiers, quoi. Parce qu'il multiplie beaucoup les fruitiers comme ça. Et donc, c'est du extrême agir et du non agir juste après derrière. Donc c'est génial. Je trouve ça assez génial, le petit contraste entre les deux. Difficile en France, en tout cas, de ne pas passer à côté des traités rustica quand on va dans une librairie, surtout si on va dans le rayon un petit peu jardinage, on tombe sur tous les traités rustica. Et ben, globalement, ils sont assez bien faits en général, quand même. Alors, ils ont toujours, malheureusement, des chapitres qui sont complètement déconnectés de ce qui est intéressant. Pareil avec ce traité rustica des arbres fruitiers. Voilà. On a plein de choses intéressantes dedans. Plein de choses. Vraiment, globalement, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur tout ça. On a des calendriers, par exemple, on a toutes les choses à faire, on a comment. Bon, on a vraiment tout un tas de. Tous les sujets de l'arboriculture fruitière pour produire des fruits dans son jardin sont là. Clairement, ils sont là. Et puis, il y a quelques choses qui sont moins bien faites, alors, notamment sur comment dire, les chapitres dédiés à chaque variété, hein, à chaque espèce, pardon. Par exemple, on va vous raconter un petit peu ce que c'est le cognassier, et puis rapidement, on va vous donner une liste de variétés. Et en fait, c'est là où je trouve ça un peu nul, c'est qu'ils auraient mieux fait de faire l'impasse sur la proposition de variétés qu'ils mettent dedans, parce que bah, c'est beaucoup trop sommaire, il y a quelques trucs à prendre, mais en fait, c'est beaucoup trop sommaire sur ça. Voilà. Mais sinon, sur le reste, c'est pas mal, c'est un ouvrage que je vous conseille, mais pas sur les préconisations que eux fournissent pour le choix des variétés qui sont dedans. Parce que quitte à le faire, ils devraient le faire complètement. Et là, ils le font vraiment. Voilà, c'est vraiment pas assez. Si je prends la pomme, par exemple, pêcher. Bon, alors c'est intéressant pour plein des égards, pour notamment vous apprendre à tailler vos fruitiers si vous voulez faire des espaliers. Vous voyez, par exemple, des pêchers, il y a une quantité phénoménale de plantes, de variétés, alors qu'en Bretagne, on en fait assez peu finalement. En poire, il y a pas mal de variétés également, alors qu'on en fait assez peu, donc ça ne me sert pas tant que ça. Et puis les pommes, voilà, ben les pommes, il y en a un certain nombre quand même, c'est pas la question, mais en fait, on n'a même pas le nombre de variétés que j'ai dans ma gamme, qui est une petite gamme. Voilà, bon, on en a voilà, une quarantaine de variétés ici, et après, c'est juste un listing qui est très très exhaustif, voilà, qui ne représente pas forcément tout ce qu'on peut choisir. Bref, ne vous fiez pas à cet ouvrage, en tout cas pour choisir vos variétés, pour mettre dans le jardin. Vous allez plutôt demander conseil aux pépiniéristes de votre secteur ou dans les ouvrages, certains dont je vais vous montrer également ici. Néanmoins, livre qui m'a été offert, qui est également un traité rustica, qui est un petit traité rustica, et celui-là, c'est des soins bio aux arbres fruitiers. Bon, alors celui-là, je ne sais pas comment on peut appeler bio, vu tous les trucs qui sont mis dedans. Personnellement, il y a des choses effectivement qui sont bien, des choses qui sont beaucoup moins bien, notamment sur ce qui manque dans cet ouvrage-là pour moi, même s'il est bien sur la compréhension des maladies et des ravageurs, c'est sur souvent comment traiter ces maladies, ces ravageurs. C'est que ça fait beaucoup l'impasse sur le vivant, sur les auxiliaires, des choses comme ça. Ça manque vraiment, 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 vraiment. Que faire, c'est toujours des luttes, c'est toujours des traitements, c'est toujours voilà, mais c'est jamais installer des nichoirs, c'est jamais installer des nichoirs à chauve-souris, c'est jamais voilà, il n'y a jamais, jamais ça. Donc ça, c'est ce que je trouve très dommage dans cet ouvrage-là, mais intéressant pour comprendre les maladies un peu quand même. Bon, moi, on me l'a offert, je l'aurais pas acheté.
Sincèrement, si on ne me l'avait pas offert, je ne l'aurais pas acheté. Je l'avais déjà feuilleté, il ne m'intéressait pas. Quand on est simplement amateur de fruitier, on n'a pas forcément besoin de connaître tous les ouvrages et toutes les variétés qui existent. On a surtout besoin, à un moment donné, d'être conseillé sur des variétés et après de les planter et de savoir les gérer. Ça va nous donner du fruit si on les gère bien, si on a été bien conseillé. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément d'aller plus loin dans la connaissance de tout ça, de pousser le vice beaucoup plus loin. Donc, il y a un certain nombre d'ouvrages qui vont venir après, qui justement vont plus loin dans ça, et qui pour moi sont plutôt des ouvrages destinés à passer au cran supérieur, c'est-à-dire faire de l'arboriculture fruitière, ou juste voilà, apprendre aussi à connaître des variétés, parce que ça nous plaît hein, de le savoir. Et encore plus loin, quand on est pépiniériste, et pépiniériste comme moi notamment, mon job, enfin, ce que je considère être mon job, en tout cas ce que ne font pas tous les pépiniéristes, hein, c'est d'être capable de conseiller les clients sur des choix de variétés, en leur donnant justement les spécificités de chacune de ces variétés pour trouver celles qui sont les plus adaptées à leur terrain, à leur façon de cultiver ou à leur goût. Donc les quelques ouvrages que je vais vous montrer maintenant sont justement un petit peu là-dedans, c'est qu'on creuse le sujet, soit on s'intéresse à l'histoire des fruits et on a envie de savoir un peu plus, soit on commence à s'intéresser à des variétés un petit peu plus spécifiques. Ici en Bretagne, on a quelques gens qui font des choses super bien, qui par exemple, ici j'ai un petit livre ici qui s'appelle Tomber dans les pommes, qui est fait par trois co-auteurs, Hervé Guiriec, Jean-Pierre Rouleau, ce sont tous les deux des copains, et les aquarelles de Loïc Tréhin. Ici, c'est édité en Bretagne. Voilà. Donc c'est vraiment un ouvrage sur les pommes. Mais alors, la spécificité de cet ouvrage-là, c'est que c'est un ouvrage qui est, comment dire, des histoires. C'est des histoires, c'est des belles images, des reproductions de pommes, et des histoires, l'histoire quelquefois de la pomme, ou quelquefois l'histoire autour de la pomme. Mais ça ne va pas forcément vous parler des spécificités de la variété en elle-même, en termes de goût, trucs comme ça. Ce n'est pas le but de cet ouvrage-là. C'est un ouvrage qui vous rend amoureux des pommes, on va dire, et de leur histoire surtout. Puisque ces hommes, en fait, sont également amoureux de l'histoire de la pomme en Bretagne, hein, et ils en connaissent un rayon, si je puis dire. Et donc cet ouvrage-là, ce genre d'ouvrage-là, puisqu'il y en a sûrement d'autres qui existent, voilà, présente seulement certaines variétés, mais c'est des variétés qui ont des histoires, et donc il y a toujours l'histoire qui va avec. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est des petits bouts de vie, des petits bouts de passé qui reviennent et qui sont vraiment sympas, je trouve. Voilà. Bon, il y a quand même quelques petites caractéristiques des variétés présentées dedans, hein. C'est assez sommaire, mais ça permet quand même d'avoir un petit peu. Voilà, quand on veut avoir des pommes qui ont une histoire. Toutes les pommes n'ont pas d'histoire, hein. C'est pas toujours très intéressant. Certaines variétés de pommes n'ont pas, voilà. N'ont pas eu de vécu particulier, même si elles sont très bonnes. Et d'ailleurs, toujours chez eux, et c'est toujours Hervé qui pilote la manœuvre, Hervé Guiriec, puisque c'est lui qui écrit surtout et qui met en page. Là, c'est avec Jean-Yves Kerouaz, et c'est toujours chez Locus Solus, hein, ça à Quimper, ici en Bretagne. Et ici, c'est plantes à baies et petits fruits, donc très dédié Bretagne également. Donc, ça, c'est une spécificité de chez nous ici qui est vraiment intéressante. Alors, la plupart des petits fruits qui sont dedans sont également intéressants pour d'autres régions et poussent dans d'autres régions, hein, parce qu'on va vous parler par exemple, c'est pas forcément des baies qu'on va manger nous hein, d'ailleurs, hein, mais on va vous parler du laurier-thym, du viorme, du comment dire, là, il y avait quoi là? Bon, il y a les petits fruits qu'on connaît, le fragon, petit houx, cucurbe à la mer, cornoyer mâle. Bon, vous voyez, il y en a plein, dont certaines sont intéressantes justement pour la culture, pour la multiplication dans les jardins ou les jardins-forêts. On y vient juste après. Encore un breton, avec un nom pareil, c'est un petit peu dur de ne pas parler de fruitier. Il s'appelle Denis Pépin. C'est rigolo, moi je trouve. C'est chez Terre Vivante, ça s'appelle Petits fruits délices du jardin bio. Comme ça paraît être un ouvrage un peu basique, hein, voilà, il ne ressort pas forcément du lot, mais je l'avais pris comme ça, un petit peu au hasard, en l'ayant feuilleté. Et en fait, bon alors, très intéressant également d'un point de vue vraiment axé petits fruits Bretagne en plus pour moi. Donc un petit peu les conseils de culture, les maladies, donc c'est un ouvrage assez global, avec une présentation de variétés. Bon, ça c'est toujours un petit peu le problème
dans les ouvrages comme le Traité rustica des arbres fruitiers, c'est que il y a un certain nombre de variétés présentées, mais alors l'avantage des petits fruits, c'est qu'il y a moins de diversité. Donc, mais il n'y a pas tout quand même. Il n'y a pas tout quand même, donc c'est un petit peu dommage. C'est le seul petit truc qui manque. Voilà. Mais globalement, il est assez complet. Peut-être qu'il sera réédité pour introduire les quelques variétés manquantes. Très intéressant. Très intéressant. Moi, il me sert. Ça fait partie des livres, notamment avec celui-là, celui-là et celui-là, que je vous présente après, qui sont sur mon stand de foire que je présente et que je mets à disposition des clients pour consultation, feuilletage et puis pour avoir une petite base un petit peu de discussion. Alors aujourd'hui 2023, le terme permaculture, je ne l'utilise plus parce que ben, il a été beaucoup détourné. Le terme jardin-forêt, il est en train d'être détourné, il a déjà bien été détourné et j'en suis un peu déçu. Bon, de toute façon, il fallait s'y attendre. À la française, on aime bien détourner tous les trucs, tous les concepts, les trucs comme ça. Bref, c'est mis à toutes les sauces et puis au final, personne n'y comprend rien. Donc, je préfère éviter maintenant de plus en plus d'utiliser le terme jardin-forêt. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo sur les clés de design. Ce qu'était pour moi un jardin-forêt, et ça se résumait à peu de choses finalement, c'était pour moi ni plus ni moins que une plantation de fruitiers dans son jardin de manière réfléchie pour un petit peu densifier, optimiser, mais pour que tout le monde soit en bonne santé et tout le monde produise. Voilà, pour moi un jardin-forêt, c'est ça. Et donc les deux seuls ouvrages, alors il y en a un, ça fait très longtemps que je l'ai, le deuxième, ça fait longtemps que, enfin, il a été édité plus tard, et puis il avait quelques avantages par rapport à celui-là. Mais fondamentalement, il n'y avait rien qui renouvelait l'expérience, hein, on était sur la même base. C'est ce qui, pour moi, sont les deux ouvrages finalement sur le jardin-forêt qui sont les plus pertinents dans ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, hein, parce qu'ils sont très pragmatiques en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 introductions pour expliquer ce que c'est un jardin-forêt. Alors, en gros, cet ouvrage-là, qui est Créer un jardin-forêt de Patrick Whitefield. C'est ni plus ni moins que un petit condensé de permaculture, un petit condensé d'arboriculture fruitière, donc spécifique, donc une branche spécifique, on va dire, de la permaculture, dans la permaculture, ou qu'on va gérer en permaculture. Et donc, ben, on va essayer de faire quelque chose qui n'est pas forcément pour faire la production pure et dure d'un point de vue professionnel. Mais on va chercher surtout à faire en sorte de planter nos fruitiers dans de bonnes conditions. Et donc c'est un petit peu ça qui est proposé dans cet ouvrage-là. Mais de manière assez... Voilà, c'est un ouvrage qu'on va pas avoir sur sa table de chevet pour lire et prendre du bon temps à lire. C'est vraiment un ouvrage type dictionnaire ou type ouvrage de référence. C'est-à-dire quand on en a besoin, on va chercher les infos dedans, quoi. Ce n'est pas un ouvrage qu'on va forcément lire à part la partie introductive, hein, Mais en tout cas, c'est un ouvrage qui nous permet d'avoir des clés de conception, des clés de design justement sur l'ensemble des choses qu'on peut faire, et notamment ce qui est rarement discuté dans les ouvrages, la création d'étages de plantation. Donc jouer avec les strates, jouer avec les grands arbres, les moyens, les petits, les arbustes, les couvre-sols, les grimpants, etc. L'avantage de ce genre d'ouvrage-là, et du coup je vous parle du deuxième qui va un petit peu avec. Alors, ils ne se complètent pas vraiment, ils sont plus ou moins similaires les deux, c'est juste qu'il y en a un qui a des belles images. Voilà, qui a plein de belles images, qui en soi ne font juste que faire du papier en plus et de l'encre en plus, parce que les infos sont globalement les mêmes. Voilà, mais effectivement, quand il y a des images, ça donne un petit peu plus envie de lire. En tout cas, de parcourir. C'est globalement les mêmes en termes de contenu, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Et l'avantage, c'est que vous prenez un étage intermédiaire sur lequel vous avez envie de travailler, un étage, pardon, de végétation. Là, j'étais tombé sur l'étage intermédiaire. Et bah, à partir de là, vous avez les clés de design et vous avez surtout après les espèces qui sont adaptées à ces intermédiaires, enfin à ces étages. Par exemple, ici, je suis sur le noisetier qui est dans l'étage intermédiaire et comment le gérer derrière dans son étage intermédiaire. Très intéressant. Et puis après, on arrive sur les petits fruits qui sont justement aussi là-dedans, dans cet étage-là, et donc avec tout ce qu'on peut y mettre et y faire. Évidemment, ce qu'il faut toujours faire attention, c'est que ce soit, voilà, les distances soient respectées par rapport à
à vos conditions pédoclimatiques, donc votre sol, votre nature de sol, votre climat, votre humidité, le vent, la chaleur, tout ça, tout ça. Forêt-jardin, Patrick Whitefield. Forêt-jardin, Martine Crawford. Et quand vous avez ces deux-là, normalement, si vous les avez bien assimilés, si vous avez compris un petit peu ce que je vous ai présenté également avant, bah vous savez normalement ce que c'est réellement du forêt-jardin. Donc voilà, m'entendrez très peu utiliser le terme, parce que pour moi, ça n'a pas grand intérêt de réinventer encore la poudre en termes de mots. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vraiment une petite anecdote de rien du tout, mais l'année dernière, j'étais à une foire que je ne veux pas retourner d'ailleurs, mais une foire en Bretagne, et était invité Rob Hopkins. Rob Hopkins, c'est celui qui a créé les villes en transition en Angleterre, Pays de Galles, je ne sais pas, enfin bref. Et Rob Hopkins s'était invité pour faire une conférence et il est passé sur mon stand. J'avais cet ouvrage-là sur le stand. On a commencé à discuter en fait ensemble, tout simplement. Très sympa. Très sympa. Et puis bah, je lui ai raconté que j'étais pépiniériste et puis bah, il trouvait ça génial, que je faisais du fruitier et qu'il sentait lui aussi dans son vécu qu'il y avait de plus en plus d'intérêt dans les fruitiers, chez les particuliers, chez l'ensemble en fait des gens à vouloir planter des fruitiers chez eux. Et donc bah, il trouvait ça génial aussi. Et évidemment, moi je trouvais ça forcément génial, parce qu'il est plus que temps que les gens replantent vous. Alors la prochaine vidéo va vous parler des ouvrages qui vous permettent d'aller plus loin encore. Encore plus loin, on est déjà allé loin, hein. On est déjà allé loin avec tout ça. Peut-être que certains d'entre vous se seront arrêtés bien avant, et c'est pas grave, tant que vous plantez des fruitiers, que vous cherchez à faire des fruitiers chez vous, vous n'avez pas forcément besoin d'en connaître tout un rayon. Si c'est pas ça qui vous intéresse plus que ça. Vous n'avez pas forcément envie de tout concevoir chez vous, vous pouvez aussi vous faire accompagner. J'accompagne moi personnellement des gens à faire leur design. Quelquefois ça commence de très loin, de tout début de l'idée du projet. Quelquefois il y a déjà des choses qui ont été faites et puis des choses à reprendre. Et puis après, entre les deux, il y a quelquefois des conceptions pour accompagner les gens. Donc ça permet également de faire ça, puisqu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'informations, de clés de design là-dedans.